وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait se retirer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la grotte de Hira. La grotte de Hira, c'est une grotte qui est sur une montagne à la Mecque, Jabal al-Nur, qui est très compliquée à atteindre, même maintenant. Il y a plein de gens, ils essaient de l'atteindre, ils tombent, ils meurent ou ils se cassent les jambes. Et d'ailleurs, ce n'est pas légiféré d'y aller. Ça ne fait pas partie des choses à faire pendant le Hajj ou la Umra, de suivre les effets des prophètes ou les effets des compagnons ou des gens pieux. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a interdit cela. Il a dit, ne suivez pas les effets et les traces de vos prophètes, car les peuples avant vous, c'est comme ça qu'ils ont péri. En suivant leurs traces, ils ont exagéré et ils sont tombés dans l'innovation ou dans le shirk. Non.